Salut, Rocker. J'ai eu la chance de commencer avec les Gants Blancs en 69. On a fait une couple de chansons, des traductions d'anglais, parce qu'en ce temps-là, on n'a pas assez de guts, astie, pour pouvoir faire ça en français. Puis il n'y a pas assez de gens pour pouvoir écrire des paroles qu'on voulait dire. Entre la transaction de Gants Blancs et Offenbach, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu Lucien Ménard, qui était notre gérant pendant une couple d'années. Et c'est lui qui a parti Offenbach en 1970. Après ça, il a amené Pierre Harel, que lui a amené des paroles. Et là, la magie s'est faite. Je crois que il n'y a pas seulement Jerry, il y a tout le monde. Autant Brian John, Pat Mantel, Rob Harrison, tout le monde qui est passé dans l'Offenbach. Pierre Lavoie, même Harel, Willy, Wizzo, McCaskill. McCaskill. C'est bien ça, son nom. Il s'en avait ça, les gars. Tout le monde qui a passé par là, je crois que ils ont fourni ce beau jeu de dominos. Cette merveilleuse boîte de musique. Offenbach, c'est la musique que le monde ont vécu pendant bien des années. Que ce soit le rock'n'roller ou bien n'importe qui. Et puis, je pense que c'est important. Et je vous en remercie beaucoup. Et à la prochaine.